Good morgen, allez Yiden, les Yisro aujourd'hui, le Elohim Nishmat, Allegria, Bat Sol, Ben Sousson, les Bet Vanish, Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, ainsi que l'Irfoat, Ranela, Bat Gidel Dvora, Sarah Bat Nechama, et Ephrat, Bat Sarah Betor, Charol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étions Mestrach Kalim, Perek, Gimel Mishnah Alef, Mishlocha, Prakim, Mashana, Toromin, et Halishka, Bifros, Apesach, ou Bifros, Atzeret, ou Bifros, Echag. והן גרנות למעשר בהמה דברי רבי עקיבא, בן עזה יאמר, ב-29 באדר, ב-1 בסיוון, ב-29 באב. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, ב-1 בניסן, ב-1 בסיוון וב-29 באלול. מפני מה אמרו ב-29 באלול, ולא אמרו ב-1 בתשרי, מפני שהוא יום טוב? ואי אפשר לעשר ביום טוב, לפי כך, הקדימוהו ל-29 באלול. הוא קומס אבק הסוג'ה, En rapport avec Shkalim, après on va quitter Shkalim, on va se mettre à parler de Maaser Behema. D'abord par rapport à Shkalim, Beshlusha Prakim Bashana Tormin et Alishka. À trois époques, périodes de l'année, alors Tormin et Alishka, on va prélever la Lishka. Soit, je ne sais pas comment s'entend le mot Lishka en français, cherchez dans le dictionnaire. Il y a lorsqu'on ramène tout l'argent à Yerushalayim, de tous les Shlichim qui se trouvent de partout, alors on les réunit tous dans une cabine, où on met l'argent, on entasse l'argent là-bas. Et la Mishnah enseigne maintenant, sache qu'à trois périodes de l'année, à trois dates données, on va partir, être tormi, les trois matalishka, on va prélever la lishka, c'est-à-dire qu'on va prendre, ça va être plus détaillé dans la prochaine Mishnayot, on va prendre trois seaux, en fait, trois fois à trois occasions, et on va à un seau qui contient trois séines, on va ramasser un seau d'argent. D'accord? Il y aura tout un procédé quoi faire. Avec cet argent, maintenant, on va le garder de côté pour pouvoir acheter les korbanot. Ça, on a fait ça à la première étape, à la première borne. Qu'on va voir après, on va détailler exactement. Après, on continue, on commence à dépenser cet argent. Et avant même que ça se finisse, en général, on va se mettre à maintenant, va arriver la date de prélever la deuxième fois. On va se mettre à reprélever une deuxième fois avec un nouveau seau. Et on va cette fois-ci acheter des corbanotes avec le deuxième seau. Jusqu'à qu'on va soit épuiser, soit arriver à la date de la troisième borne. Et alors là, on va prélever une troisième fois. De nouveau, on va prélever une troisième fois. Et puis on va acheter des corbanotes. Il y aura tout un procès de quoi faire si on a fini l'argent, avec comment on va continuer et tout ça. On verra ensuite. Il y a, pour le moment, donc, c'est ce que la Mishnah nous a enseigné, il y a trois bornes dans l'année où on va prélever la lishka. Pourquoi trois bornes? En théorie, on ramène tout l'argent en Nissan. On devrait en Nissan, ben maintenant on va partir avec une énorme caisse, on ramasse tout l'argent de ce qui va être nécessaire pour les korbanot de l'année. Pourquoi il faut le faire ça à trois étapes? Concrètement, on aurait pu le faire. Ça déduit de Psukim, pourquoi est-ce qu'il faut le faire de la sorte malgré tout? Parce que, de manière à ce que, sentimentalement, vous imaginez, ceux qui ont envoyé l'argent depuis loin, qui habitent loin, les habitants de Khoutzlaretz aussi, par exemple, ils envoient leur argent. Leur argent, il y a des fortes chances qu'il ne va pas arriver jusqu'en Nissan. Même si concrètement, quand on prélève, quand on va ensuite, on va ramasser l'argent, on va les faire, comme ce qu'on avait expliqué, on va leur faire acquérir, on va leur donner une part dans l'argent qu'on est en train de prélever. Donc concrètement, alachiquement, ils ont une part dans les korbanot tzibour. Mais malgré tout, pour qu'ils aient le sentiment de participer activement au korban, alors on attend de prélever à une deuxième occasion, puis à une troisième occasion, comme ça c'est sûr que leur argent, il va avec son argent proprement, directement, on va le dépenser pour aller acheter le korbanot. D'accord? Ça, c'est la base de la Mishnah. La Mishnah, maintenant, elle va me préciser c'est quoi les dates à laquelle on va prélever. Ça va être pros à Pesach, pros à Tseret, pros et Chag. Pesach, Atzeret, Chag, vous connaissez Pesach, c'est Pesach. Atzeret, toujours, lorsqu'on voit le mot Atzeret, Chag, Atzeret, dans la Mishnah, dans la Tfila, Chag, Atzeret, c'est Shavuot. Et Chag, quand vous voyez le mot Chag uniquement, dans la Mishnah, ça s'appelle Sukkot. C'est Sukkot. Donc en fait, et pros, c'est 15 jours avant. La moitié du mois. Un demi-mois avant Pessah, un demi-mois avant Tseret, un demi-mois avant Sukkot, on prélève la Lishka pour acheter les korbanot comme ce qu'on a expliqué. D'accord? C'est ce que la Mishnah, elle est venue m'enseigner. Maintenant, du coup, puisqu'on a enseigné ces trois bornes, alors la Mishnah continue en me faisant entrer dans les halachot du Maaser Behema. Que ces trois bornes-là sont vehen granot les Maaser Behema. Elles sont les... Le mot goren, c'est une grange. Quel rapport? Ce sont des granges pour le Maaser Behema. C'est un mot purement par association et par extension, on l'a utilisé. Je vous explique très rapidement. La trouma, par exemple, prélever la trouma des animaux.
des récoltes. Alors, on a imposé le prélèvement romain que lorsqu'on a kegoren minayekev, que lorsqu'on les a engrangés. Tant qu'on est encore dans les champs, on n'est pas encore imposé, donc on est en train de travailler la voie, de la ramasser, de la... Eh bien, on n'est pas encore imposé la trauma, celui qui mange, il est dispensé de lui trouver, il ne transgresse pas d'interdit. Parce qu'elle n'a pas encore été fixée. Il n'y a pas eu encore le goren les mains. Elle n'a pas encore été imposée, elle n'a pas encore entrée, elle n'a pas encore été engrangée. De ce principe, maintenant, par extension, on a utilisé le mot pour expliquer que tant que tu n'as pas atteint la borne qui te dit ça, à partir de maintenant, tu dois impérativement prélever, alors cette borne-là, on appelle le goren. Ok ? La Mishnah enseigne que ce sont maintenant ces trois bornes pour le Maser Bema. C'est-à-dire maintenant, Maser Bema, c'est quoi ? J'ai un troupeau, il y a eu des nouveau-nés qui sont nés. Eh bien, j'ai pour le moment le droit de les manger si je veux. Aucun problème. J'ai pas besoin de les prélever. Si je veux, je peux les manger tout de suite. Jusqu'à qu'arrive la borne, la première borne fixée, qui va être Pessah, ensuite qui va être enfin, avant Pessah, avant Shavuot ou avant Sukkot, arrive la borne, là j'ai plus le droit de manger mon troupeau tant que je ne le prélève pas. D'accord ? Ça, c'est de manière générale, pour le Maaser Bema. Donc maintenant, dès qu'il va arriver la borne de Pessah, par exemple, enfin le 15 jours avant Pessah, eh bien maintenant, il faut que je fasse l'inventaire des nouveaux-nés, que je les compte, j'en fais passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dixième, il est devient Maaser Bema. Qu'est-ce que je fais avec le Maaser Bema? C'est très simple, il est à moi. Lorsque je monterai à Jérusalem, au Beth Amikdash, pour les fêtes, même pas pour les fêtes, quand je veux en fait, mais en général, on avait l'habitude de monter pour les fêtes, je monterai pour les fêtes, eh bien j'aurai de la viande de quoi manger, je pourrai le faire en corban et je le mangerai avec toute ma famille là-bas. Ça m'appartient. D'accord? Ça c'est le Maaser Bema, de manière générale. Maintenant, Chachamim ont fixé que on va te fixer des bornes à partir desquelles tu vas prélever le Maaser Bema. Tout au long de l'année, n'attends pas toute l'année et tu fais tout d'un coup, tu le fais en trois bornes. Pour quelle raison? C'est simple. Le partenariat est long, je pourrais expliquer l'idée. C'est que on veut, matériellement, on veut que les gens vendent des animaux avant les fêtes, de manière générale. Pour qu'avant les fêtes, il y ait de la viande. C'est fréquent en Israël, les prix des viandes, ils augmentent toujours avant les fêtes, parce que d'un coup, tout le monde achète, et les prix flambent, et il n'y a pas assez. Là, on a envie, en tout cas, pour ne pas que les prix flambent trop, alors on demande qu'on fasse le Maaser Bema. Quel est l'intérêt? Si on ne faisait pas le Maaser Bema, les gens, même s'ils ont la possibilité, ils ont le droit de vendre, même s'ils n'ont pas prélevé, on craint hein, que malgré tout, les gens, c'est des tzadikim, ils veulent pas forcément prélever, et ils veulent pas vendre tant qu'ils n'ont pas prélevé, ils ont envie de prélever le Maaser Bema. Ça leur coûte pas beaucoup d'argent, ça leur fait le kavod d'apporter une Maaser Bema au Beth Amikdash. Du coup, on craint hein, qu'ils vont pas se mettre à vendre leur troupeau trop tôt, parce qu'ils ont envie de les prélever. Ils vont se mettre à garder leurs animaux. Et puis, pour que trois jours avant Pessah, ils vont se mettre à prélever pour pouvoir amener leur Maaser. Pendant ce temps, tous ceux qui n'avaient pas des troupeaux, ils ne pourront pas acheter de la viande, parce que les gens ne vont pas vouloir vendre leur bétail. Donc, du coup, Ramé m'ont dit, approche la fête de Pessah, approche la fête de trois fêtes, en fait, d'accord, de Shavuot et de Sukkot, eh bien, tu prélèves le Maaser Bema, d'accord. 15 jours avant, c'est ce qu'on a fixé. Pros. Benaz, maintenant, sur ça, on va découvrir en fait qu'il y a une discussion. Rabbi Akiva, lui, il est parti 15 jours, il n'a pas précisé plus. Benazai vient et fait deux petites corrections sur ça. Benazai Omer, Besrim Betish Abe Adar, le 29 Adar, soit pas le 15 jours avant Pessah, mais le 29 Adar. Si vous regardez le calendrier, Bemet, vous verrez que ça tombe pile poil. C'est la même date. En réalité, c'est une petite discussion technique, comme ça c'est expliqué ici dans le Pirouche Rivevan. Et quand Benazai dit des fois, Pessah, le mois de Hadar, il a... Non, c'est plutôt. Selon Rabbi Akiva, le mois de Hadar, c'est possible que des fois, le mois de Hadar, il est 30 jours. Donc du coup, je vais te dire de faire 15 jours avant, donc je vais pas te dire le 29. Parce que s'il y a 30 jours de Hadar, eh bien, tu feras le premier Nissan. Tu feras pas le 29 Hadar. Selon Benazai, Hadar n'a jamais 29 jours. N'a toujours que 29 jours et pas 30. Donc du coup, il fixe la date 29 jours. Ensuite, Bechad Besivan, alors là, deuxième correction, c'est le... Non, ça fait trois corrections, en fait. Bechad Besivan, c'est le premier Sivan. Soit Rabbi Akiva, il a dit, qui était le premier avis, donc, il a dit 15 jours avant Shavuot. D'accord? Donc, en fait, ça fait l'équivalent du 35e jour du Homer. Ça, c'est pour les 15 jours avant Shavuot. Benaza, il vient et me dit... ouais, je me suis pas trompé, ouais, 35, ouais, c'est ça. D'accord. Ça fait, donc, 35e jour du Homer. Mais lui, le... Et Benazai, il vient, il nous dit, non, c'est pas la peine. Sivan, tu peux repousser l'échéance jusqu'au 6 Sivan. Jusqu'au premier Sivan.
Même si Shabbat, ça tombe que le 6 Sivan, il va avoir que 5 jours. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Il n'y a pas eu beaucoup de bétail qui naissent entre Pessah et Shavuot. Regarde tes deux bornes comme elles sont approchées. Encore, tu me dis, la borne de Sukkot et la borne de Pessah, il y a 6 mois. Alors là, il faut bien se préparer, ça fait plein de bétail et tout ça. Il y a du gros business. Mais entre Pessah, tu l'as fait il y a un mois et demi, tu vas le faire tout de suite. Bon, t'as eu quoi? T'as eu une petite dizaine de moutons qui sont nés. Ça va pas être une grosse histoire qu'on m'a imposé de le faire bien longtemps, comme c'est sûr que tu vas vendre. Il y aura toujours de la viande à vendre. D'accord? Et Bessrim et Tisha B'Av, attention là, 29 Av. Lui, Rabbi Akiva, il nous a parlé de 15 jours avant, Sukkot. Donc l'équivalent du premier Tishrei ou 29 Elul. Pas Av. Ben Azaï, il me dit 29 Av. Parce que selon Ben Azaï, il pense que Rosh Hashanah les Maaser Behema. Il faut prélever le Maaser Behema d'une année sur l'autre. On ne prélève pas d'une année. Chaque année pour son année. On ne prélève pas d'une année sur l'autre. Si j'ai eu 8 animaux qui sont nés dans la première année et 2 qui sont nés l'année d'après, on ne les associe pas parce que j'en ai 10 qu'il faut que tu prélèves. Non. Chaque année avec sa bracha. Du coup, Ben Azaï me dit, et maintenant, c'est quand Rosh Hashanah les Maaser Behema? Selon Ben Azaï, Rosh Hashanah les Maaser Behema, c'est le premier Elul. Donc de ce fait, premier Elul. Donc 29 Av, c'est la dernière borne. Et là, tu t'arrêtes là et tu prélèves maintenant tous ceux qui sont nés dans l'année précédente pour pouvoir ouvrir une nouvelle page et démarrer la nouvelle année de Maaser Behema. D'accord? Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, enseigne que Be'echad Be'Nissan, le premier Nissan, Be'echad Be'Sivan, le 1 Sivan, donc pour le premier Sivan, c'est comme Ben Azaï, c'est la même histoire, il n'y a pas beaucoup de Maaser Behema, tu peux le faire le premier Sivan, et Be'esrim Be'Tisha Be'Elul, le 29 Elul. Le 29 Elul, donc c'est pas le 29 Av comme Ben Azaï, mais 29 Elul. Pourquoi? Parce qu'il considère que le Rosh Hashanah, pour le Maaser Behema, c'est le premier Tishrei, c'est pas le premier Elul, en l'occurrence. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il me dit de faire le premier et pas le 29? Lui, il ne considère pas qu'il faut 14 jours. Il faut deux Shabbatot, en fait. Deux Shabbatot avant la date. C'est déduit, en fait, que vous connaissez les fameuses histoires qu'il faut étudier à la Lachot de Pessah 30 jours avant, étudier à la Lachot de Sukkot 30 jours avant. Lui, ils vont selon l'avis qui pense qu'il faut les étudier juste 2 semaines avant. Et quand ça commence maintenant le moment de parler de Sukkot, de parler de Pessah, où tout le monde étudie à la Lachot, alors c'est aussi le moment que toi, tu vas prélever le Maaser Behema, en l'occurrence. Ok? Maintenant, malgré tout, Mipnema Amru Be'esrim Be'tisha Be'elul Velo Amru Be'echad Be'tishrei. Pourquoi ont-ils dit le 29 Elul et ils n'ont pas dit le premier Tishrei? Premier Tishrei, ça aurait été beaucoup mieux, puisque ça fait 15 jours, comme tu m'as dit le premier Nissan. Tu devrais me dire le premier Tishrei. Pourquoi tu me dis le 29 Elul? Réponse très simple. Mipenech ou Yom Tov, parce que le premier Tishrei, c'est le Yom Tov. Ve'iyev Charlaser Be'Yom Tov, et on n'a pas le droit de prélever pendant le Yom Tov. Le Fikar, Ikdimu. Les Esrim et Tisha Belo, c'est pour ça qu'on a avancé la date depuis le 29 Elul, parce que tu ne pouvais pas prélever pour le premier Tishri. D'accord? Pour conclure, on a pris donc que, c'est pour un certain nombre de retenir maintenant, parce que là on va parler de ça longuement pendant Shkalim, il y a 3 périodes dans l'année où on va entrer dans la Lishka, on a réussi, on a entassé tout l'argent, on va prélever à 3 occasions, on va prélever de l'argent avec lequel maintenant on va le mettre de côté pour pouvoir acheter les corbanotes de la prochaine période, à 3 périodes de l'année, et entre parenthèses, la Mishnah du coup, elle a commencé à entrer dans le sujet que ces trois bornes sont les 3 bornes du Maaser Behema, du coup on a découvert une machloquette par rapport au Maaser Behema, entre parenthèses, machloquette qu'on avait déjà vue depuis la fin, dans Maaseret Prorot, je crois le dernier périple de Prorot, c'est déjà évoqué tout ça. C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de la Slacha, Kol Tov, Salam.